Donc, Dav Vav Amoud Alef, on reprend tout en bas de la page. Alors, on a vu ensemble que Arzik le Udre Amar Nachman, Arzik le Urde, le Arzik le Kshure. Celui qui a une chazaka pour les planches, donc on a dit des planches fines, le Arzik le Kshure, il n'aura pas une chazaka pour les planches épaisses. Ou le Kshure, Arzik le Urde. Par contre, celui qui a une chazaka pour les planches épaisses, il aura donc également une chazaka, on a dit une présomption, un droit d'utilisation. C'est-à-dire que si son prochain, son voisin lui a permis d'utiliser, eh bien, pour des planches épaisses, eh bien, il aura le droit d'utiliser également des planches fines. Il aura une présomption pour cette autorisation. Rav Yosef Amar, Arzik le Urde, Arzik le Kshure. Rav Yosef nous dit, celui qui a une chazaka, même pour les planches fines, il aura également une présomption, Arzik le Kshure pour les planches épaisses. Et certains vont dire, Ika de Amre, Amar Nachman, Arzik le Urde, Arzik le Kshure, le Kshure, Arzik le Urde. De la même manière que, quand on a une chazaka, une présomption pour les planche fine, il aura donc également une présomption pour les planches épaisses. Et également, s'il a une présomption, une permission donc pour les planches épaisses, il aura également une présomption pour les planches fines. Donc a priori, le pshat de Rashi, c'est le pshat le plus simple ici. Ça n'a rien à voir avec la sugya. C'est un problème de cheskat tashmichim. On est dans le sujet qui s'appelle droit d'utilisation. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas des planches plus fines ou des planches plus grosses, c'est un problème de droit d'utilisation par rapport aux permissions que m'aurait donné mon voisin. Ça, c'est ce qu'on appelle cheskat tashmichin. À ce propos, on a vu que dans cheskat tashmichin, c'est une marloquette entre donc Rashi et d'autres rishonim. On a vu que Rashi dit qu'il faut, c'est pas la peine d'avoir 3 ans, il suffit un instant, mais il faut également une réclamation, une ta'ana. Rabbi Yonah Rashba, le Roche, ils disent que c'est comme karka. Pour un bien immobilier, il faut savoir que dans un bien immobilier, on a vu ensemble dans, et on verra ensemble dans le Perek Cheskat Abati, dans le troisième Perek, que Cheskat Tashmichin, il faut toujours 3 ans plus une réclamation. Et il y a même certains avis, comme le Géonim, le Ramban, le Rimigash, le Ramban et Nimoki Yosef, qui disent qu'on n'a même pas besoin de revendication. Il suffit d'un instant, même sans revendication, ça suffit. Donc c'est, il reprend donc les coulottes, les facilités des deux avis, et on n'a ni besoin d'attendre longtemps, donc il suffit que le voisin nous ait vu l'utiliser et qu'il ait rien dit, et en plus, on n'a pas besoin de revendication. Ça, c'est l'avis donc de Rashi. Ici, on parle donc d'un problème, il s'agit uniquement d'un problème qui est lié à Cheskat Tashmichin, et de même, la même manière que Rav Nachman en haut a s'est exprimé, donc également, on va rapporter ici tous les avis de Rav Nachman. Et on va voir ensemble un autre avis, qui est l'avis de Rabbeinu Tam. Dans le Dav Vav Amoud Bet, on verra dans le premier Tosfot en haut, que Rabbeinu Tam, lui, a une autre explication uniquement concernant cette partie. Parce qu'en effet, la prochaine partie qu'on va voir dans la Gemara, en effet, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on va vous dire maintenant. Ce sera de toutes les façons, tout le monde est d'accord, que ce sera donc uniquement dans un sujet qui s'appellera le problème, les problématiques de Cheskat Tashmichin, les droits d'utilisation, les présomptions sur les droits d'utilisation. Mais pour l'instant, dit le Rabbeinu Tam, qu'on est dans une sugya qui est rapport avec nous. On a vu dans la Mishnah que quoi? Que Réhouven, il a construit un mur au-dessus de Arba Amot. Et on a dit que Shimon, on ne lui fait pas confiance à Shimon, de dire qu'il a participé avec Réhouven aux dépenses du mur pour l'élévation. Donc, Becheskat Shelo Nathan, Hachavirea Shel Nathan. Et sur ça, on dit que quoi? Que si jamais, c'est sur ce sujet, on vient que si jamais Shimon avait des poutres épaisses, donc des grandes poutres, et qu'il avait déposé sur le mur, alors il est néman de dire qu'il a participé avec Réhouven également sur des poutres fines, moins épaisses. Alors que l'inverse, non. Et c'est exactement le sujet dont on est en train de parler maintenant, qu'on va développer un petit peu plus dans Daf Vav Amoud Bet. La problématique est justement dans ce qu'on est en train de dire, Arzik les Urde ou Arzik les Kshure, est-ce que celui qui a mis des planches épaisses a une chazaka pour les planches fines, ou inversement, celui qui a eu un droit d'utilisation pour les planches fines, est-ce qu'il a un droit d'utilisation sur les planches épaisses? Ça, c'est exactement la problématique de la Mishnah quand on dit Becheskat Shelo Natan, Hachavir Yavirah Shenatan, même s'il préclame un droit de revendication, un droit où il a un droit d'utilisation dessus, nous on lui dira très simplement, tout dépend donc de cette marloquette Arzik le Urde, Arzik le Kshure. Ça, c'est donc le sujet de Rav Nachman. Maintenant, on reprend donc la première grande ligne, tout en bas du Dav Vav Amoud Alef, où on prend un nouveau sujet, où on rapporte ici, de toutes les façons, les paroles de Rav Nachman. De la Gemara, Amar Rav Nachman. Arzik le Natfe, lo... Arzik le Natfe, Arzik le Shfache. Celui qui a une chazaka, une présomption, comme quoi, de sa maison,
coule de l'eau chez le voisin. C'est-à-dire que quand il a une petite maisonnette chez lui et le mur, son mur donne sur la cour du voisin, si jamais natfé veut dire un toit, comme vous voyez ici, un toit qui n'a où l'eau coule un peu de partout. Et si, donc sans égouttoir, sans rien, sans gouttière, d'accord? Donc dans ce cadre-là, s'il a un droit d'utilisation, la permission de son voisin d'utiliser que l'eau puisse couler chez son voisin de tous les côtés, sans gouttière, eh bien il aura également une chazaka qui pourra par la suite mettre une gouttière, sans aucun problème. Donc shfaché, c'est y intégrer une gouttière. Donc on va essayer de voir ensemble dans Rashi, qu'est-ce que dit Rashi? Arzik le urdé, le aniach rashi reitim dakin. Non, ça on a déjà vu avant. À le côté de Chaveros, on parlait donc ici des planches fines et kshuré, c'est de mettre des planches épaisses. Kvedot tachatelon. Donc c'est quoi? Arzik le natfé, arzik le shfaché. Arzik le shfaché, lo arzik le natfé. Par contre, celui qui a une chazaka pour avoir une gouttière, il n'aura pas de chazaka concernant si jamais il n'y a pas de gouttière. Explique Rashi. Aitalo chazaka bechatzer chavero. Il a donc une présomption dans la cour de son prochain. Chez taftef gago mekshamim, que de son toit va couler de l'eau de pluie, les tocho à l'intérieur, alpene kolorer gago belo marzev, tout le long du toit, c'est-à-dire sur toute la surface, sans aucune gouttière. À ce moment-là, on a dit, achzik le shfaché, il aura un droit d'utilisation également, la même chazaka, si jamais il y a une gouttière. Qu'est-ce que dit Rashi? Donc, la troisième ligne avant la fin en bas. Imratza, osé, marzev, s'il veut, il aura le droit, sans demander la permission à son voisin, il aura le droit de faire une gouttière. Veikaler, kol me'agag bimkom echad. Il va donc faire couler toute l'eau sur un seul endroit dans la cour de son voisin. Déa, difele les balachatzer, parce que c'est beaucoup mieux pour le propriétaire de la cour, donc son voisin, d'avoir de l'eau qui coule dans un seul endroit, plutôt que d'avoir de l'eau qui coule de tous les endroits, de partout. Donc c'est sûr que si j'ai une chazaka pour un mur sans gouttière, pour un toit sans gouttière, que j'aurai le droit également d'y intégrer et d'installer une gouttière. D'accord? Donc, c'est ce que la Gemara a dit. On continue la Gemara. Ika de Amré, certains vont dire, Amaram Nachman, arzik le shfaché, arzik le natfé. Celui qui a une chazaka pour un toit avec gouttière, arzik le natfé, il aura une chazaka également pour une cour où il n'y aurait pas de gouttière. Le natfé, arzik le shfaché. Par contre, s'il a une chazaka également, pour un mur sans gouttière, alors il aura une chazaka également pour les shfaché. Aval, donc ici, d'après ce man d'Amar qui explique Rav Nachman, il n'y a pas de différence. L'un comme dans l'autre, il a le droit à ce droit d'utilisation. Qu'il ait mis avant une gouttière et qu'il n'en ait pas mis, aujourd'hui il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Aval, dit la Gemara, les tzrifa de urbene, on va essayer de t'expliquer tout de suite ce que ça veut dire, l'eau, il n'aura pas de chazaka. Que veut dire tzrifa de urbene? Alors on va voir ensemble dans Rashi. Kadamre, l'avant-dernière ligne, Kadamre Amarab Nachman avale trifa de urbenelo. C'est quoi trifa de urbené? Gag shel tsarif shradil shemechassim oto beanfe arava vainu urbené. C'est un toit qu'on recouvrait après avec des branches de sol et c'est ce qu'on va appeler urbené. Umitor sha tipim smuchim meod. Étant donné que les gouttes sont très rapprochées. En balachatzer, smuchim meod. Non seulement ils sont rapprochés, on va voir, ils coûtent les gouttes l'une après les autres. Et donc, ça va le déranger. Non seulement ça va le déranger, mais même dans un toit pareil, puisqu'il y a des branches de sol, il faut savoir que même s'il s'arrête de pleuvoir, les gouttes de pluie vont continuer à dégouliner de ce toit, puisqu'il y a des branches de sol dans ce toit. D'accord? As en balachatzer, achol ishtamej betartem, donc puisque les gouttes sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus des grosses gouttes de pluie, puisqu'elles se sont accumulées sur les branches de sol, eh bien ça va le déranger, il ne pourra pas utiliser sa cour sous ses haravotes. C'est pour ça que dit la Gemara, avalit zrifa de urbené, non. Sur, en dessous, c'est ce genre de toit, comme a dit Rashi, où il y a des haravotes, c'est sûr que sur ça, il n'a pas de chazaka.
Le rabbinou Kershom lui amène une autre explication et dit que Tzrifa de Urbene, c'est un toit qui est fait différemment, avec des morceaux de goumi, ou bien des canim, qui empêchent l'eau de s'intégrer, et donc ça va faire que l'eau va couler beaucoup plus rapidement. Et si l'eau coule beaucoup plus rapidement, alors ça dérange. C'est la même chose, c'est Tzrifa de Urbene. Donc sur ça, il n'aura pas de chazaka. Sur Tzrifa de Urbene, il n'aura pas de présomption. Donc on reprend la Gemara. Avale Tzrifa de Urbene, l'eau, pour Tzrifa de Urbene, pour ce genre de toit, qui est donc très pointu, donc non, ça ne le dérange, il n'aura donc pas de présomption et de droit d'utilisation. Rav Yosef Amar, donc on reprend Rav Yosef. Rav Yosef nous dit, « Afilo Tzrifa de Urbene. » Lui dit, il aura même un droit sur Tzrifa de Urbene. Il aura même un droit pour mettre ce genre de toit et pour y intégrer. Si un jour il avait Natfe ou Shfaché, s'il avait un mur avec gouttière ou sans gouttière, il avait un toit avec gouttière ou sans gouttière, il aura le droit par la suite de rajouter même ce toit pointu ou bien ces haravot, comme on a dit, ces haravot, ces branches de sol qui vont faire que les gouttes vont couler beaucoup plus intensément. Donc on continue la Gemara. On dit, la Gemara nous dit, Avad Rav Yosef, Uvda, Betrifa de Obene. Rav Yosef, lui, justement, Rav Yosef, lui, composait la halakha, et également de cette manière-là, en la halakha, il a complété, donc la halakha, les maïsé, il faisait la ouvda, c'est-à-dire qu'il a composé de cette manière-là, et il disait qu'on avait le droit même de faire ce genre de toit, comme Tzrifa de Urbene, comme on a vu sur l'explication de Rashi ou du Rashbam. Donc, il avait le droit, sans aucun problème, puisqu'il avait la permission de faire couler de l'eau, même de faire avec ce genre de toit pointu, ou avec ce toit qui était rempli de branches de sol, et que donc les gouttes étaient beaucoup plus intenses et beaucoup plus fortes quand elles tombaient. On continue la dernière ligne. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Avua, Amaskir Bait Lechavero, celui qui loue une chambre à son ami. Et là, on passe à Davav Amoudbet. Bebira Agdola, dans une grande maison. Donc, il a un grand appartement. Et il va louer une chambre, louer une pièce. Ça peut arriver, on loue une pièce à quelqu'un. On loue une pièce. Comme dit Rashi, Bira Agdola, Bait Aroch Meod, une maison très longue. Et dans cette maison, il y a plusieurs chambres. Qui dirait qu'à l'époque, c'était quelque chose de particulier d'avoir une grande maison avec plusieurs chambres. Ktanot, petite chambre. Voilà, tout à fait, je lis le Rashi en haut à gauche. Veiskir les echad mehem. Et il a loué à une personne, une d'entre elles, une chambre. A reze mishtamesh bekotlea, comme on va voir. Il aura le droit d'utiliser le mur en lui-même. Bechore aktalim, dans la largeur du mur, dans les trous qui se trouvent dans le mur. Alpene orka tout le long, mi bachout, même à l'extérieur. Adaledamot, jusqu'à Daledamot. Afshelo keneged beito, même si pas exactement en face de sa maison. Ou bezizim, ayotzim, miktalim, également sur les bezizim, les coins qui sortent de la maison. Donc on voit ici que quoi? Que celui, Amaskir Bait Lechavero, celui qui loue une chambre à son prochain avec Birak dans un grand appartement, on prend la Gemara, Mishtamesh Bezizea, il pourra utiliser donc toutes les aspérités des coins du mur, ou Bikotlea et le mur lui-même, ad Arba Amot jusqu'à Arba Amot, ou Beovi Akotel, et dans l'épaisseur du mur, comme dit Rashi, c'est quoi, Ovi Akotel, Berosho, en haut du mur, Kegon Imiskirlo Bait Aliya, il lui a loué donc la pièce qui était au-dessus, il pourra même utiliser au-dessus du mur, sur le toit, d'accord, au-dessus des murs de sa chambre. Donc, leur endroit d'utilisation, dit la Gemara, Mimkom Shenagou, dans les endroits où on a l'habitude d'utiliser le haut de ses murs, il aura le droit, puisqu'il a payé la location de sa chambre, il aura le droit de profiter et d'utiliser même donc le haut de ce mur. Par contre, dit la Gemara, Aval be Tarbet Avdene, mais pour Tarbet Avdene, de quoi il s'agit? C'est quoi Tarbet Avdene? La Gemara dit l'eau, non. Et c'est quoi Tarbet Avdene? Nous dit Rashi. Derer Bonebira, c'est l'habitude de ceux qui construisent un appartement, Khashuva important, un bel appartement, donc une belle construction. La Niachla Keneget Petach Atraklin, à Khashuv Sheba, de mettre devant la porte, donc devant avoir un beau salon. Traklin, c'est la grande salle. Dans la grande salle, la salle la plus importante, Sheba, Ke'en Gina, on met devant un rez-de-jardin, un beau petit jardin. Ke'en Gina, Ktana, petit jardin.
L'avir qui est donc à l'extérieur, un jardin extérieur. Veolim ba deshaim veyafeh amare la'einaim. On fait planter là-bas, on plante des plantations. Il y a des fleurs, des roses, il y a de belles fleurs et c'est joli. Quand on est dans la grande pièce, on voit, on a la vue sur ce vrai jardin. Vesham en reshut les elitlot baktalim klum. Dans cet endroit-là, il n'aura pas la permission, bien que ça donne sur sa pièce à lui, que lui a sa pièce qui donne sur ça, il n'aura pas la permission donc de mettre ce qu'il veut dans ces endroits-là. Chez Eno Asso, il connaît cet euro parce qu'il n'est pas fait, il n'est pas censé rentrer dedans. Donc il ne doit pas donc mettre, utiliser son mur qui donne sur ce jardin. Puisque dans ce jardin, en principe, c'est fait uniquement pour que ce soit beau, s'il utilise ses murs, ce ne va pas donner quelque chose d'assez joli. Donc sur ça, c'est sûr qu'il n'a pas de droit d'utilisation. Dit la Gemara, aval. Betarbet Avdenelo. Tarbet Avdenelo, donc ce genre de jardin, non, il ne pourra pas. Rav Nachman. D'idée Amar, Rav Nachman lui-même a dit, Afilu betarbet avdene. Lui dit même dans ce genre de jardin également, on aura le droit donc, on aura un droit d'utilisation s'il a loué bien sûr la pièce qu'il donne sur cette maison. Aval rechava shachore abatim. Mais comme on a vu ensemble dans la première Mishnah, on a vu rechava shachore abatim, c'était quoi? C'était la partie qui était derrière les maisons, l'arrière-cour, ce qu'on appelait l'eau. Mais il n'aura pas droit à utiliser l'arrière-cour. Il n'a pas un droit sur l'arrière-cour. Nous dit Rashi, c'est quoi Rechava Shachore Abatim? Kol Ekef Shachore Abatim. Tout le pourtour qui est derrière, dans l'arrière-cour, derrière la maison, Karoui Rechava, c'est ce qu'on appelle l'étendue qui était derrière la maison. Vishrifne Abatim, Karoui Chatser. Mais ce qui est devant la maison, ce qui donne sur l'entrée de la maison, c'est ce qu'on avait défini comme une cour. C'est le Chatser. Alors que ce qu'il y a derrière l'arrière-cour, c'est Rechava Shachore Abatim. En Rechava Muskeret Lo Lishtamesh. La rechava qui est derrière la maison, ce n'est pas loué, il n'a pas, c'est pas, fait pas partie de son lot de la chambre qu'il a loué pour pouvoir l'utiliser. Ça appartient donc au balabait. Donc on est tout simplement dans une problématique de location. Quand un homme loue une chambre, quel est le droit d'utilisation qu'a ce locataire? Il n'a pas le droit d'utiliser l'arrière-cour, il n'a pas le droit de profiter de, même de ses propres murs s'il donne sur ce petit jardin, mais il aura le droit de profiter entièrement dans l'intérieur de ses murs, d'y intégrer ce qu'il veut, d'accrocher les tableaux, de mettre à l'extérieur et même au-dessus, comme on a vu ensemble. Au-dessus du mur, s'il veut accrocher quelque chose, s'il est au dernier étage, et mettre au-dessus du toit, sur le toit quelque chose, il aura également le droit, ça fait partie de ses droits d'utilisation. Rava Amar, Rava nous dit, Afilu Rechava Shachore Abatim. Même la Rechava qui est derrière, donc, même qui est la Rechava qui est derrière la maison. Amar Avina, on continue. Amar Avina dit Ravina. Haik Shura de Metal Tele. Celui qui met des poutres sur le mur de son voisin. Qu'on appelle Kshura de Metal Tele. Ad Taltin Yamin lo avec Chazaka. C'est-à-dire que tant jusqu'à 30 jours, ça ne va pas être considéré comme une Chazaka. Par contre, Bartar Taltin Yamin, au bout de 30 jours, s'il a laissé ses poutres, là-bas il veut faire une pergola pour avoir de l'ombre ou pour quelque chose, jusqu'à 30 jours, il a droit, ce ne sera pas une présomption pour lui. Par contre, Batar Taltin Yamim, après 30 jours, Ave Chazaka, ça devient donc pour lui une Chazaka, une présomption. Donc, il aura un droit. S'il a laissé pendant 3 jours, il peut très bien dire par la suite, puisque je l'ai laissé pendant 30 jours et que tu m'as laissé, donc j'ai le droit maintenant de le laisser. C'est comme si tu m'avais donné le droit, la permission d'utiliser pour un long terme, à chaque fois de poser mes planches, mes deux bois, sur ton mur. Et de la Gemara, veisuka de mitzvah hi. Par contre, si c'est les planches de bois qu'on veut mettre chez le voisin, et très souvent ça peut nous arriver, on a à la maison une cour et on a un mur qui appartient au voisin et on veut déposer nos poutres pour la souka et vont s'appuyer sur le mur du voisin. Notre voisin va se dire, c'est pour la souka, c'est pour une mitzvah, je le laisse. Mais ça ne veut pas dire que je laisse à long terme toujours s'appuyer sur mon mur et construire ce qu'il veut ici. Je l'ai laissé pour la souka, mais pas pour autre chose. C'est pour ça que dit la Gemara. Vei souka de mitzvahi, si c'est pour la mitzvah de la souka, ad shiva yamin lo ave chazaka. Jusqu'à 7 jours, ce n'est pas une chazaka. Par contre, batar shiva yamin ave chazaka. Au bout de 7 jours, après soukot, s'il le laisse laisser ses planches de bois s'appuyer sur son mur, c'est qu'il est d'accord qu'il a un droit à utilisation. Attention, quand on dit 7 jours, précise Tosfot, en haut à droite, le deuxième Tosfot, Ad Shiva Yome, Lavdavka Shiva, pas seulement 7, parce que par exemple, nous ici en France, on a même 8 ou 9 jours, d'accord? Donc pas seulement 7,
de Bishmini Atzeret lo yuchal l'histoire, parce que de toute façon, même à Shmini Atzeret, même bien qu'on n'utilise pas la souka, il n'aura pas le droit de détruire sa souka. Donc c'est jusqu'à 7 jours, la présomption c'est jusqu'à 7 jours, dit Tosfos, ça peut être un petit peu plus. Toujours est-il, on comprend bien que c'est uniquement pendant la fête de Soukhot. S'il le laisse pendant la fête de Soukhot, ce n'est que pour la fête de Soukhot. Mais par contre, s'il le laisse après Soukhot laisser ses planches, eh bien là on pourra aller beaucoup plus loin et dire ça veut dire qu'il le laisse plus longtemps que ça. Donc on reprend Rashi ensemble. Loa vechazaka, ici on parle, on va voir, dans le cas où il lui aurait même peut-être payé pour avoir un droit à utilisation. C'est ce qu'il va protester lui-même. Alors dit Rashi, loa vechazaka, im samcha al kotel chavero, velomicha betor shloshim yom, s'il a appuyé donc sur son mur, il a mis des planches donc sur le mur de son voisin, velomicha betor shloshim yom, il n'a pas rouspété son voisin pendant 30 jours, lo ave chazaka, ce n'est pas une chazaka. Le laisser 30 jours, il peut le laisser. C'est plus ce qui peut être problématique. L'iton velomar, d'être toen, de réclamer, de dire que quoi? Et là, regardez la différence à ce qu'on a vu avant. Ici, il va lui dire, piasticha bemaot, je t'ai payé le droit. Ici, j'ai payé avec l'argent le droit, ad olam, pour toujours. De kot al tignamim, lo kapitinish, parce que 30 jours, un homme n'est pas makpin, ne fait pas attention, n'est pas pointilleux. Mais plus que ça, ça veut dire que, s'il y a plus que 30 jours, c'est-à-dire qu'il n'est pas pointilleux, mais moins que 30 jours, un homme, il ne fait pas attention, il dit 30 jours, c'est pas grave, il va juste mettre quelque chose quelques instants, quelques jours, et après, il va l'enlever. Velomaché, et s'il n'a pas, comme dit Rashi, velomaché, s'il n'a pas repoussé, il n'a pas protesté, ça vous chavérise, terlatel, il a besoin d'un peu d'ombre, ou l'amimouati, mitlenoumicha, mais dans quelques jours, il va retirer sa planche, donc moins que 30 jours, ce n'est pas une chazaka. Par contre, plus que 30 jours, c'est une chazaka. Veïsouka de mitzvah, et s'il s'agit de la mitzvah de Souka, il est bâtard zain avec chazaka. Après 7 jours, c'est une chazaka. Pourquoi dit Rashi? Et qu'il va de chafkoua à la yoter, minatzorer, avec les mechouillés, puisqu'il lui a laissé plus que la nécessité, puisque dans une Souka, on a un besoin uniquement pour 7 jours. C'est pas qu'il y pense qu'il a quelques jours et qu'il va l'enlever. Il sait très bien que son utilisation va être que momentanée pour 7 jours. Donc, au bout des 7 jours, au bout des 8 jours, comme on a vu, au bout de la fin de Souka, s'il voit qu'il n'enlève pas, c'est qu'il se dit qu'il va le laisser pour toujours. Là, il vient, il doit protester. S'il n'a pas protesté, c'est qu'il va lui permettre, en fait, réellement, il est d'accord, pour qu'il le laisse pour toujours. D'accord? À long terme. Et là, il y a un petit osphote. Donc, dans Rashi, un rajout dans Rashi, on me dit, l'omicha, et puisqu'il n'a pas protesté, et qu'elle aimait marre des épis sous bémaot, on peut dire ici qu'en fait, il lui a payé, il lui a donné de l'argent pour qu'il ait un droit d'utilisation. Ad olam, pour toujours. C'est pas seulement qu'il vient et qu'il dit, il m'a laissé. C'est qu'il va venir et dire, il m'a donné de l'argent pour que je puisse utiliser son mur. Sheken ayadarkam, likvoa sukatam, les tzorer kolashanim. C'est ainsi qu'ils avaient l'habitude de fixer leur souka à l'époque. C'est pour ça qu'on parle ici d'un droit d'utilisation pour toujours. Ils fixaient leur souka, les tzorer kolashanim, pour tout le temps. Ils faisaient un genre de pergola. Donc s'il fait un genre de pergola, il sait qu'il va aller mettre la souka maintenant, mais il l'a installé pour la laisser tout le temps là-bas. Vilkar, c'est pour cela, miyad lachar shiva, dans la souka c'est différent parce que immédiatement, après donc les 7 jours, avir chazaka, ça devient une chazaka. Donc après 7 jours, ça devient immédiatement une présomption. Donc dans la souka c'est différent, dit Rashi. Puisque au bout de 7 jours, il sait qu'il risque de laisser là tout le temps, et il va tout le temps laisser sa souka ici. Donc sur ça, on dit qu'après 7 jours, il aurait dû venir et rouspéter. S'il n'a pas rouspété, c'est qu'il lui permet, et que ça veut dire que l'autre pourra très bien venir un jour et dire, eh bien, si il n'a pas rouspété, c'est qu'en fait, je lui avais payé, et c'est ce qu'il va réclamer. Je lui ai donc payé pour avoir ce droit d'utiliser son mur pour construire ma souka éternelle. Ma souka qui va rester longtemps. Alors, Vilkar miyad lachar shiva, immédiatement après les 7 jours, avec chazaka, ça devient donc une présomption, de lodame les souka, ça ne ressemble pas à la souka de Metelalta, qu'on bouge, une souka ambulante qu'on enlève, de la vechazaka, tatinyamim, que sur ça, ce ne sera pas une présomption jusqu'à 30 jours. D'accord? De Aïletzel Béalma, là-bas, c'était uniquement pour l'ombre qu'il avait fait, et ensuite il va l'enlever, il faisait très très chaud. Il avait besoin d'un peu d'ombre, donc il a fait ses planches, il les a mis uniquement pour se protéger un peu du soleil. Ou de Abda, aval soukazou, mais cette souka-là, c'est qu'un genre de pergola qu'il est en train de faire, et s'il voit qu'il l'utilise plus longtemps que pour Soukot, c'est qu'en fait, il va la laisser à long terme. Et donc, l'autre pourra très bien dire un jour, s'il m'a laissé plus que les 7 jours de Soukhot, ça veut dire qu'en fait, je lui ai donné de l'argent et qu'il m'a permis de l'utiliser pour plus longtemps que ça. Les tzorer kol imotachak, je vais kol shana à ça, parce que tous les ans,
il va la faire. Et sur cela, on va essayer de voir le Tosfot en haut à droite, qui parle à ce propos des planches qu'on aurait mis sur le mur de notre voisin, dit à ce propos Tosfot, et c'est exactement ce qu'on a vu ensemble au nom de Rabbeinu Tam tout à l'heure. Alors en effet, on avait vu tout à l'heure au nom de Rav Nachman, quand on parlait de Harzik le Hourde et le Harzik le Kshure, on s'était dit ensemble que selon l'avis de Rashi, ça n'avait rien à voir avec la Sugya. C'était un problème uniquement de Cheskat Tashmishin. D'accord ? Et on avait rapporté l'avis de Rabbeinu Tam, dans le Nimuk Yosef, dans le Nimuk Yosef également, l'avis de Rabbeinu Tam qui lui est cholé, qui dit non, ça a un rapport avec notre Mishnah. C'est ce qu'on parle Cheskat Shelonatan, c'est dans le cas où il aurait mis les Hourde ou les Kshure. Eh bien, viens maintenant Tosfot, il dit ce cas-là aussi est en rapport avec notre Mishnah. De quelle manière? Et il est donc relèque avec Rashi, il n'est pas d'accord avec Rashi, puisque Rashi lui dit qu'on est uniquement ici dans un problème de droit à utilisation, qui est Cheskat Tashmishim, qui n'a été rapporté dans la Sugya, uniquement parce que c'est Rav Nachman qui parlait tout à l'heure et qui continue à parler. Mais ici, dit Rabben, dit le Tosfot, en haut à droite, Aïk Shura Demetel Al-Alta, Omer Rabben Utam, dit Rabben Utam, De Amatnitim Kae, et c'est ce que dit Rabben Utam ici. On parle ici à propos de la Mishnah, c'est un énorme rapport avec la Mishnah. Dehat shloshim yom, jusqu'à 30 jours, lo ave chazaka, ce qu'on a dit ici, que jusqu'à 30 jours, avoir le droit de mettre, de déposer ses poutres sur le mur du voisin, qu'on a dit lo ave chazaka, ce n'est pas une chazaka, va ave bechazkat shelonatan, c'est une présomption, shelonatan, qui n'a pas, là, sur ça, on va dire que jusqu'à 30 jours, il y a une présomption shelonatan, qui n'a pas payé. Mikan ve'elar, à partir de 30 jours, avec Bechaskat Jonathan, il y a une présomption qu'il l'a payé. C'est-à-dire que s'il a eu, sur le mur dont on avait parlé, le mur qui avait été élevé au-dessus de Arba Amot, sur ce mur on a vu ensemble dans la Mishnah, que Bechaskat Jonathan Achavira Jonathan, vous vous rappelez du cas où Reuven et Shimon ont une cour en commun, il y a un mur qui a été construit de Arba Amot, que les deux ont participé. Shimon est venu et a élevé le mur au-dessus de Arba Amot, au-dessus de Arba Amot. Et quand Shimon a élevé le mur au-dessus de Arba Amot, lui il dit que c'est lui-même qui a payé. Maintenant, dans ce cadre-là, si Reuven aurait utilisé ce mur en mettant des planches plus que 30 jours, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a payé. Et c'est voilà le rapport avec notre Mishnah. Ça veut dire que dire Rabbeinu Tam, et c'est contrairement à l'avis de Rashi, ça a un rapport avec notre Mishnah. Ce qu'on parle ici de 30 jours, c'est également le cas de Cheskat Jonathan dans notre Mishnah, dans le cadre où il aurait mis ses planches de bois sur le mur que Shimon avait élevé. Au bout de 30 jours, il peut très bien dire, ça veut dire que j'ai participé. Va'ave b'chaskat shelonatan, mikan ve'elar. Par contre, au bout des 30 jours, ave b'chaskat shelonatan. Il y a une présomption qu'il a donné l'argent, qu'il l'a payé, puisqu'il va prouver en disant, regarde, il m'a laissé utiliser son mur plus que 30 jours en déposant mes planches. Va'ate shapir, et ça convient très très bien, denakte acha, comme dit répond Tosfot. On comprend pourquoi maintenant on a rapporté cette sugya ici, chez nous, ici, alors qu'a priori ça n'a rien à voir. Dit à ça, c'est tout à fait le rapport qu'il y a avec notre Mishnah, c'est exactement le sujet qu'il y a avec notre Mishnah, comme on a vu ensemble ici, Arzik les Hourde, Arzik les Kshure. Tout ce qu'on a vu à propos de Arzik, les planches qui étaient fines et les planches qui étaient épaisses, c'est exactement le même sujet ici, où on parle en rapport avec notre Mishnah, en disant, va t'échapper de Nakte Acha, velo bechaskatabatim, on comprend maintenant pourquoi ces problèmes de droit d'utilisation ont été énumérés et énoncés ici dans ce Pérec, alors qu'en effet, si on reste à l'avis de Rashi, qui lui dit que ça n'a rien à voir avec ici, c'est uniquement rapporter les paroles de Rav Nachman, alors en effet, le droit d'utilisation, c'est toutes ces notions de Cheskat Tashmishim, n'a rien à faire dans ce Pérec. On aurait dû le mettre dans le troisième chapitre de la Maseret Baba Batra, qui s'appelle Cheskat Abatim, où ce Pérec ne parle uniquement que des problèmes de uniquement des problèmes de droit à utilisation de chazakot. Est-ce que chazakat tashmishim ou chazakot karka? Tous les problèmes de chazakot sont énumérés là-bas. Donc qu'est-ce que ça fait ici? Alors en effet, Rashi a répondu, c'est uniquement les paroles de Rav Nachman. Rashi, on peut très bien expliquer Rashi en disant qu'on a rapporté les paroles de Rav Nachman. Mais ce que dit Rabbeinu Tam ici, et ça répond non seulement à ce qu'on est en train de voir ici, mais également à ce qu'on a vu un peu avant dans Arzik les Oudah, Arzik les Kshure, que dit Rabbeinu Tam, ça n'a un grand rapport. Parce qu'on revient au cas de la Mishnah. On a vu ensemble dans la Mishnah que si jamais Shimon a levé plus haut le mur, et s'il a laissé Reuven mettre ses poutres sur son mur qu'il a élevé plus longtemps que 30 jours, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a participé. Il peut très bien dire « j'ai participé » et là, il demande à dire « j'ai participé ». Sinon, si c'est moins que 30 jours, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas de preuve d'une chazaka qu'il a participé à la construction de ce mur. Donc on voit en fait dans la Sugya que c'est un problème de Cheskat Tashmishim selon Rashi, selon Tosfot également, mais on voit également que selon Tosfot au nom de Rabbeinu Tam, que ça a un grand rapport avec notre Sugya, et c'est justement, c'est la continuation d'explication
de la fin de notre Mishnah, de la deuxième partie, la Seifa de notre Mishnah. Donc on a compris maintenant également à propos de ce sujet que ce soit pour la construction de pour les droits sur un mur dans une maison lorsqu'on a loué une pièce, ou que ce soit également le droit quand on a déposé des planches sur le mur de notre voisin, eh bien on a certains droits qu'on appelle les traskat tashmishim, les droits d'utilisation. Et si le voisin ne proteste pas, ça veut dire que je peux très bien dire, moi, plus tard, eh bien, j'ai participé, j'ai payé, et il m'a laissé utiliser pour toujours. Donc, en principe, c'est une évaluation après 30 jours, parce qu'un homme n'est pas makpid pour 30 jours, ne fait pas attention pour 30 jours, mais plus que 30 jours, il est censé venir ou se péter. Alors que pour le cas de la soukha, étant donné que la soukha ne va lui servir que pour soukhot, s'il ne le retire pas après soukhot, et le 10e jour, il vient et il laisse, ça voudrait dire peut-être qu'il veut laisser cette pergola, il veut laisser ses planches pour toujours. Et là, il est censé venir se respecter le plus rapidement possible. On n'est plus donc dans la notion de 30 jours. On revient à une notion beaucoup plus courte, parce que là, on sait très bien, on évalue que la personne, au bout de 10 jours, il se dit, ah, attention, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette soukha? Est-ce qu'il veut la laisser pour tout le temps, toute l'année? Ou alors, est-ce qu'il veut la détruire tous les ans et la ramener? Donc, s'il voit qu'il la laisse plus longtemps, ça voudrait dire que peut-être qu'il veut la laisser à long terme. Donc, s'il l'a laissé au bout de 10 jours ou 12 jours, il a laissé cette soukha, ça veut dire qu'il lui permet. Et qui pourra très bien dire un jour, je t'ai payé pour ça. Mais s'il ne l'a pas laissé au bout de 10 jours, si au bout de 8 jours, comme on a dit, 8 ou 9 jours qu'on a vu dans Tosfot, il vient et rouspète, c'est tout à fait normal, c'est à lui de venir et de dire, je t'ai laissé uniquement pour la mitzvah de soukha, mais je ne te laisse pas pour autre chose, et donc il faut que tu retires immédiatement les planches de tes planches de monde.